L'impératrice s'est libérée de son conditionnement. Elle est plus dangereuse que jamais à présent. Elle est peut-être plus forte, mais elle n'est pas invincible. On trouvera un moyen de l'arrêter. Je n'ai pas demandé de ravitaillement. Je n'aime pas ça, pas du tout. C'est une ruse. Encore une distraction. Une chose envoyée par un rival, quelqu'un qui tenterait de saboter l'opération. Je ne me laisserai pas avoir. Alors en plus d'être stupide, vous êtes aussi paranoïaque. C'est celui qui pense que personne ne veut sa mort qui est stupide. Non, que personne n'ouvre cette capsule. Que personne n'y touche d'ailleurs. L'opération est déjà bien avancée. Vos super soldats sont devenus incontrôlables. Un contretemps mineur dont je me suis déjà occupée. J'ai conçu un virus mutagène qui permet d'altérer les membranes olfactives et le cortex des géonosiens, les rendant ainsi sensibles aux interventions phéromonales. Il suffit d'injecter cette souche de virus à la reine géonosienne et à ses six reproducteurs. Il se propagera sans effort à travers leur essaim. Bien entendu, accéder à la chambre de la reine sera difficile. Suicidaire même, si les trois drones qui la gardent ne sont pas d'abord éliminés. Non! Impossible! Vous étiez mort! Je suis Dark Malgus. Je parle au nom de tout l'Empire Sith. Et à présent, je prends le commandement. Vous, je ne m'attendais pas à vous voir participer à cette opération. J'imagine que vous partagez notre objectif, éradiquer toute présence Jedi de cette planète. J'ai tout de même mis fin à votre soulèvement. Je vous ai vaincu au combat. J'ai du mal à croire que vous ayez tiré un trait sur tout cela. Vous avez prouvé votre force. Le reste de nos interactions passées ne compte guère. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous commencerons par aveugler l'ennemi et le réduire au silence. Qui est l'officier responsable ici? C'est moi, Excellence. Major Henry. Les communications et les capteurs des Jedi doivent impérativement être brouillés avant notre attaque. Prenez autant de troupes que nécessaire afin de remplir cette mission. J'aurais besoin que d'une seule personne. Qu'en dites-vous, commandant? Tant que le Seigneur Malgus est d'accord. Je le suis. Nous devrions imiter le Major dans le discernement qu'il met à choisir ses alliés. C'est quand vous voudrez, commandant. On dirait que leurs capteurs peuvent être désactivés depuis cet endroit. Je vais vérifier la zone. Essayez de trouver une copie de l'ordonnée agricole, tant que vous y êtes. Données reçues. Je m'infiltre dans le système informatique des Jedi. Toutes les données concernant leurs semences et leur programme de purification des sols vont être copiées, puis effacées. Vous avez bien servi l'Empire. Félicitations, commandant. On est prêt ? Ni ici Corbeau. Mission accomplie. L'ennemi est dans le noir. Excellent. Toutes les unités sont prêtes. Le gros des forces Jedi se trouve dans une bibliothèque. Ce sera notre objectif. Coordonnées reçues. On vous retrouve là-bas. Pour l'Empire. La bibliothèque. La seule raison pour laquelle j'ai accepté cette pitoyable mission. Vous avez survécu. S'il suffisait de me pousser pour en finir avec moi, je n'aurais jamais pu intégrer le Conseil Noir. Qu'a-t-elle de si particulier, cette bibliothèque? Le savoir. Des recherches et des documents traitant de techniques oubliées et compilées tant par des Jedi que des Sith. Ne vous en faites pas, je ne vous ferai pas obstacle. Occupez-vous de la mission, je me contenterai de récupérer ce que je cherche parmi les décombres. Qu'allez-vous faire si vous ne retournez pas dans l'Empire?
Je vais faire profil bas et continuer mes recherches autant que possible. Pourquoi? Ça vous intéresse? Je veux simplement m'assurer que vous ne serez plus une menace. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Continuez votre mission. Mais souvenez-vous d'une chose. L'impératrice Asina tient peut-être Malgus en laisse, mais elle n'est pas la seule à pouvoir tirer dessus. Bizarre, la petite dame. Vous avez trouvé les données agricoles? J'ai tout ce qu'il faut. Je les ai envoyées au commandement impérial. Génial. Ça va faire une sacrée différence, je vous le dis. Ceux d'en face sont tellement occupés à se battre pour des miettes qu'ils nous poseront plus de problèmes. Parfait. Passons à la bibliothèque. Quel est votre plan? Ce n'est pas un plan, mais une proposition. Vous êtes venu sur Osus afin de contribuer à la mission. La galaxie sombre dans la guerre, et vous vous battez pour que l'Empire triomphe enfin de ses ennemis. Ensemble, vous et moi pouvons porter le premier coup dans cette bataille. Nous allons trouver le chef de ces Jedi, Nos Dural, et le vaincre. Nous allons montrer à la galaxie qu'aucun Jedi ne peut se mesurer à notre puissance. Quant à la République, elle ne peut se mesurer à la puissance de l'Empire combinée à celle de votre Alliance. Nos ennemis se souviendront de ce moment comme du début de leur fin. Major, prenez le reste de vos troupes et sécurisez le bâtiment. Exterminez tous ceux qui s'opposeront à vous. Nous ferons de même. Maître Jedi Nos Dural. Dark Malgus, vous êtes bien vivant. Voilà qui explique le soudain regain d'agression des tactiques utilisées contre nous. Et vous devez être le commandant de l'Alliance, le destructeur de l'Empereur Sith, une histoire que j'aurais beaucoup aimé étudier. Quel dommage que deux chefs si charismatiques aient décidé de gâcher leur potentiel en venant ici brûler quelques livres et tuer un vieillard. Nous sommes venus éradiquer tous les Jedi. N'avez-vous pas entendu les cris? Seuls les faibles choisissent la peur comme arme. Voyons à présent si vous êtes à la hauteur de vos légendes respectives. Ainsi soit-il, Jedi. Commençons. Nos Dural est un maître de la manipulation mentale. Ne le laissez pas vous tromper. La puissance du côté obscur n'est qu'un mensonge. Kao Sendarak. Venzalo. Dark Zash. Dark Thanaton. Tenebra. Je meurs en élégante compagnie. Semble-t-il. Si cela ne tenait qu'à moi, cette bibliothèque serait votre tombeau, Jedi. Mais votre sort est entre les mains du commandant. Ce Jedi sait tout ce qu'il y a à savoir sur nos ennemis. Il nous sera plus utile vivant. Voilà qui est astucieux. Il nous apprendra bien plus de choses qu'il ne pourrait l'imaginer. Emmenez-le. Rassemblez les autres soldats survivants à l'extérieur. Tout de suite, Excellence. Ils attaquent le campement! Major, que toutes les troupes retournent immédiatement à la base!